Après des mois, voire des années de travaux de réhabilitation, le parc de la Ligue arabe a ouvert ses portes au public le 12 mai 2021, après sa réhabilitation pour un coût global de près de 100 millions de dirhams. Ce poumon vert de Casablanca de plus de 30 hectares a été réhabilité grâce aux fonds débloqués dans le cadre du programme de développement du Grand Casablanca pour un budget de 100 millions de dirhams. Financé majoritairement par la commune de Casablanca, 45 millions de dirhams, la Direction générale des collectivités locales avec 35 millions de dirhams et la région Casastat avec 20 millions. La gestion du parc réhabilité par Casa Aménagement a été confiée à la société de développement local Casa Environnement. L'entretien est assuré par Atelier Vert. S'étendant sur une surface de presque 30 hectares, le parc de la Ligue arabe est le plus grand espace vert de la ville de Casablanca. Il est également considéré comme le plus grand parc urbain d'Afrique. Dans le parc, des espaces de jeux ont été prévus, de même que des cafés et kiosques. Des aires pour les petits et des espaces pour les jeunes, des allées, des parcours sportifs et des promenades bordées d'arbres et de palmiers et bordant des plants de toute nature, des jardins pédagogiques pour les jeunes souhaitant apprendre des notions de botanique et une pratique de l'environnement. Des fontaines en zellige disposées selon la tradition andalouse pour rappeler l'esthétique déjà en place au début du XXe siècle. Tout a été fait, rien n'a été négligé, pour faire de ce parc le lieu de bonheur des Casablancais et Casablancaises et des visiteurs de la ville. Pour la gestion de l'eau, de l'électricité et le contrôle des lieux, les moyens technologiques et numériques les plus sophistiqués ont été installés. Ce parc est considéré comme un des plus importants sites de la ville. Il est en effet un des espaces historiques de la capitale les plus prisés de la population locale et de visiteurs en quête de détente et de divertissement. Le projet de réhabilitation de cet espace vert s'inscrit dans le cadre de la préservation d'un patrimoine naturel qui remonte au début du siècle dernier. Dans le respect des normes modernes relatives à la protection de l'environnement et des infrastructures de divertissement. Anciennement appelé Jardin Lyoté, le parc de la Ligue arabe fut fondé dans le cadre du plan Prost en 1919, d'après les dessins de l'architecte Albert Laprade. Durant le protectorat, les quartiers européens s'étaient développés autour de ce parc, remplis de plantes ramenées des colonies françaises, d'Asie, d'Afrique ou encore d'Amérique latine. On raconte qu'il fut réalisé par un contingent de prisonniers allemands qui creusèrent les deux grandes tranchées où sont plantés jusqu'à nos jours les fameux palmiers dattiers qui représentent le principal intérêt et toute la splendeur de cet espace vert. Une autre rumeur raconte que le lieu abritait à l'origine un camp militaire, évacué alors pour laisser place à ce jardin à la française, où se mélangeaient en toute harmonie une multitude de plantations, mais aussi de nombreux jeux d'arcade et des terrasses de café. À l'époque, le jardin était le lieu de retrouvailles des habitants du quartier, qui profitaient de la lumière du soleil et de l'ombre des palmiers pour jouer aux cartes ou discuter des dernières nouvelles.